Eh bien bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette nouvelle session de jeu sur DCS World. C'est Monsieur Otsuya, je n'ai pas pu streamer hier soir sur DCS. Donc comme j'ai deux petites heures devant moi, on va en profiter pour apprendre à voler en Mirage 2000C. Ça fait un petit moment que j'en avais envie. J'aime beaucoup cet avion, mais je suis très loin d'être un expert. Donc on va simplement essayer de voler avec, utiliser un petit peu d'armement, voir un petit peu ce qui est utilisable surtout. Et puis voilà, on va simplement donc apprendre à utiliser ce bel oiseau français. Donc je vérifie juste qu'on me reçoit bien, c'est bon, impec. Alors c'est parti. Je vais me mettre sur le vocal Discord. Ouais, je vois que Link est là. Et hop, salut Link. Ouais, j'ai des petites heures tout seul aujourd'hui, donc je vais essayer d'en profiter pour ce matin pour revoler en Mirage 2000 et streamer un peu, ce que j'ai pas pu faire hier. Moi, j'espère que tu vas bien, que t'as passé une bonne nuit. Ouais, les bonnes Courte. nuits chez moi, ça. Courte là, elles sont courtes. Hein. Ça existe pas. Hein. Je m'en doute. Ok, alors. Hop. J'installe. Voilà ce dont j'ai besoin. C'est bon, impeccable. Alors c'est parti. Ouais, j'ai streamé sur une petite mission rapide que je me suis créé hier soir. Histoire d'avoir quand même quelques petites cibles sol, ce genre de choses. Et puis des cibles neutres, hein, des camions. De manière à pouvoir m'entraîner dessus en Mirage 2000 et voir un petit peu bien s'il y a des bugs ou ce genre de choses ou s'il y a des choses que je maîtrise pas. On va essayer de voir ça. Allez, c'est parti. Ah, voilà, j'ai ma petite mission solo ici que je m'étais créé hier. Hop, voilà, parfait. Ouais, donc le souci que j'ai eu là dernièrement sur le Mirage 2000, notamment avec les comment les bombes, l'utilisation des bombes là, comment ça s'appelle, les bombes lisses qui posaient des soucis de comment on appelle ça, enfin pour viser tout simplement, hein, pour comment dire, je trouve plus le terme. Pour cibler les cibles, pour valider pour valider les cibles, ouais. J'ai trouvé d'où ça venait en fait. C'est un problème de version avec la carte, la map que j'utilisais, donc l'une des tiennes, qui en fait est trop ancienne par rapport aux dernières versions. Parce que là, je l'ai essayé sur une mission donc, que j'ai créée hier et avec la dernière version, et ça fonctionne très bien en fait. Donc, c'est pas moi qui me trompais du tout. Le système fonctionnait très bien, c'est juste que sur des maps trop anciennes, la dernière mise à jour, là, ça pose des problèmes, ça bug de temps à autre, et c'est aléatoire. Donc c'est pour ça que ça buguait l'autre jour, et que je n'arrivais pas à utiliser le ciblage des cibles, la validation des cibles. Ok. Alors, allons-y. Hop! Je suis sur la map Georgie pour changer un peu. Et ben moi je suis sur Marianas. Tu es sur Marianas, d'accord. Tu fais quoi du coup? Ouais, je me fais du ravitaillement en l'air avec le F-16. D'accord. Ok, cool. Je viens de changer les ressorts du joystick pour quelque chose d'un peu plus dur. Ah ouais. Si j'arrivais mieux avec à faire du ravitaillement. D'accord, d'accord. Salutations Stan. Content de te voir. De base sont beaucoup trop amples. Ouais. C'est pour des versions Warthog, et les Warthog, ça tombe pas de la même façon que des avions modernes. Ouais. Alors, là, je suis en train de faire un test. Alors, j'ai fait un démarrage à chaud pour aller un petit peu plus vite. Mais on va voir après ensemble comment faire un démarrage à froid. Parce que c'est intéressant de le voir. Juste, j'essaie de voir si... je me souviens...
Enfin bon, normalement le décollage ça va pas poser de problème. J'ai eu de la lumière, un titre avec Mirage 2000 et je suis entré, mais sois le bienvenu. J'essaie d'apprendre à voler dessus. J'aime beaucoup cet appareil, regardez un petit peu de l'extérieur ce que ça donne. Alors là j'ai mis une livrée très voyante, mais c'est pas le problème. J'aime beaucoup le vol en aile delta, c'est quand même quelque chose de particulier. Et ça change beaucoup du F-18 que j'ai l'habitude de vous montrer en streaming. C'est un bel oiseau, hein, j'aime beaucoup. Alors évidemment, au niveau de son usage en combat, il est quand même extrêmement limité, hein. Là, je vais essayer de vous montrer ce qu'on peut faire en bombardement. Mais c'est pas du tout un avion fait pour ça, hein, à la base, mais vraiment pas du tout. Et ça se ressent dans DCS, même si DCS est très permissif à ce niveau-là et qu'on peut installer des bombes qui ne sont pas censées être installables sur le Mirage 2000. D'ailleurs, on va voir qu'il y a certaines bombes qu'on ne peut pas utiliser, même si on peut les installer sous les poutres. Et d'autre part, bah voilà, c'est un chasseur d'interception, donc son utilisation principale, c'est la chasse aux autres avions, donc du combat RR, hein, en particulier. Un bel avion est un avion qui vole bien, exactement. C'est Marcel Dassault qui dit ça. Absolument. Bref, donc là, je vais juste me refaire un petit entraînement. C'est pour ça que j'ai démarré à chaud. On va demander à l'équipe au sol. Voilà, de m'armer correctement cet oiseau. Je vais mettre un petit réservoir de carburant supplémentaire pour avoir le temps de faire ce qu'on veut. Je vais vous montrer après la map ce que j'ai fait, etc. etc. Ici, je vais mettre quand même des Matra Magic, donc des missiles RR au bout des ailes pour l'équilibrage. Même si je ne vais pas m'en servir là, j'ai pas de cible pour ça là sur cette map. On verra après plus tard. Au niveau, alors c'est ça, au niveau des bombes, alors ce que je vais faire, c'est utiliser d'abord des bombes lisses, donc les MK82 et sur des par deux sur ces poutres 8 et 2, c'est ce qu'on va faire. Donc celles-ci ont une utilisation, alors les bombes lisses, hein, c'est des bombes qui sont utilisées avec le mode CCRP, donc un mode où il faut, comment dire, Cibler avant de lancer. ouais. Ouais, on va dire ça, sauf que c'est un ciblage qui est un petit peu, enfin, qui est très difficile à faire, vous allez voir. Et on voit d'ailleurs pour ça que le Mirage 2000 n'est absolument pas conçu pour balancer des bombes, parce que c'est très compliqué à cibler. Et si on veut être efficace, en fait, il faut faire un tapis de bombes. Si on veut faire du ciblage bombe par bombe sur une cible, ben, on a 9 chances sur 10 de tout mettre à côté, quoi. C'est vraiment pas fait pour ça. Mais c'est intéressant de voir qu'on a quand même la possibilité de le faire. Donc du coup, je mets deux poutres. Enfin, deux bombes MK82 sur ces poutres 8 et 2. Alors en 7 et 6. Alors là, par contre, voilà. Si je regarde toutes les bombes qu'on a à notre disposition, on voit qu'on a tout ça. Mais par exemple, les bombes de 500 kg, la MK82 seule de 500 livres, pardon. GPLD, celle-ci on ne peut pas l'utiliser, elle ne fonctionnera pas avec la dernière version en tout cas. On ne peut pas l'utiliser sous ces poutres-là, ça ne marche pas. Bah voilà, ça c'est des limites, enfin c'est des, comment dire, des choses que DCS permettent de faire, mais qui ne sont pas utilisables en jeu en fait, tout simplement. Sauf avec les anciennes versions, mais voilà, ça peut créer des bugs. Moi, c'est ce que j'ai vu là toute cette semaine où j'essayais de m'entraîner dessus. On a la GBU-12, alors je ne l'ai pas encore testée, la GBU-12. Je ne sais pas si elle est utilisable avec la bombe guidée laser, là, avec le Mirage 2000. À voir si Elle c'est est faisable. utilisable, mais t'as besoin que quelqu'un t'illumine la cible. D'accord. Donc voilà, donc il faut un autre avion illuminateur sur le terrain. Ok, bah, à voir si ça fonctionne vraiment avec la dernière version, mais bon. Là, les seules bombes, en tout cas, que j'ai testées et qui fonctionnent, c'est les Snake Eye, M82 Snake Eye. Donc c'est un autre type de largage, et là, donc c'est le mode CCIP, on appelle ça des bombes freinées. C'est-à-dire que ce sont des bombes qu'il faut lâcher à très basse altitude et à très grande vitesse. Et donc, bah, c'est un petit peu plus facile pour viser les cibles.
Mais là aussi, si on veut être efficace, il faut essayer de larguer ça par tapis. Donc c'est pas très simple à faire. Vous allez voir. Alors je vais faire ça sur la poutre 7, 6 et 4, 3. Voilà, on va mettre un maximum. C'est les bombes qui sont, à mon avis, les plus simples à utiliser sur le Mirage 2000. Et encore une fois, c'est pas un avion fait pour ça du tout. Voilà. On va faire ça comme ça. Je remets un petit coup de carbu. Ok. On attend que on nous ravitaille en armement demandé. Et après, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Si j'ai pas oublié comment ça fonctionne, mais normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Au moins avec les bombes lisses. C'est vraiment très basique à utiliser. Voilà, donc on attend que ça se charge normalement. Voilà, on voit que ça commence. Voilà, on nous a mis les bombes lisses là, à côté des réserves. Non, ouais, les bombes lisses, elles arrivent sur le bout des ailes. Voilà, à côté des maîtres magiques. Alors, voilà, là j'ai une petite alarme qui s'est déclenchée, c'est normal. C'est le système ici. Alors, je vais zoomer dessus. Là, si je regarde dans le système de panne, on a l'alarme conf qui s'est affichée, c'est normal. Parce qu'on vient d'alourdir l'appareil et donc il faut indiquer que l'appareil est en charge pour les trims qu'on a ici. Donc pour équilibrer l'appareil en vol, hein, tout simplement. Donc je clique dessus, hop, sur charge, je l'allume en fait. Et là on voit que le panneau de panne, enfin l'alerte panne s'est arrêtée et dans le panneau de panne, conf s'est éteint. Donc je n'ai plus de problème. Donc je vous montre pas pour l'instant comment on utilise la navigation, tout ça. On verra ensemble au moment d'un démarrage à froid si j'ai le temps de vous montrer ça. C'est pour ça que je démarre tout de suite à chaud parce que je sais pas si je vais pouvoir streamer longtemps, mais bon, on verra bien. Allez, donc c'est un peu ce que je voulais vous montrer hier soir. Donc là, ici à gauche, je sais pas si vous voyez, voilà. On a ici le panneau d'armement de ce qui a été installé. Donc on a nos Magic ici avec MAG. On a alors RP, c'est le bidon de carburant supplémentaire que j'ai installé. BL, bah BL pour bombe lisse 1. Donc ça, c'est pour activer les poutres donc des bombes lisses. Et ici BF pour bombe freinée, donc qui correspond aux bombes Snake Eyes. Donc c'est tout le temps des M82 hein, que j'utilise. MK82, pardon. Et donc, il va falloir utiliser ces boutons-là pour l'armement lorsque l'on sera en vol. Ici, on a l'utilisation du largage, enfin la programmation du largage, à savoir si on largue en instantané ou pas, le nombre de bombes qu'on va lâcher et la distance entre les bombes, le temps de largage entre les bombes, pour ne pas tout larguer en même temps et risquer bah, de se faire exploser en vol. Enfin, normalement, c'est pas possible, mais bon, parce qu'il y a des sécurités, etc., etc. Bref, donc là, si je clique sur test presse, hop, que je laisse enfoncer, on a l'ensemble de ce qui était installé sur le Mirage 2000. À l'avant, on a les obus pour le gun, hein, tout simplement. Donc la mitrailleuse, je sais pas comment on peut appeler ça autrement sur le Mirage 2000. On a les bombes freinées à l'avant, donc par deux. On a en dessous donc à l'arrière sur le bout des ailes les Magic qu'on n'utilisera pas là pour l'instant parce que c'est pour faire du RR et on a deux fois deux bombes lisses juste à côté et avec le bidon central RP, un RP qu'on voit donc sur cette image. Voilà. Ok. Alors c'est parti. Je vais voir si la tour de contrôle répond. Elle est un peu capricieuse. Je suis sur Batumi. Alors, avant ça, je vais vous montrer quand même la carte. Attendez. Pour vous indiquer un petit peu ce qu'on va faire, voilà, on est sur la map Georgie, sur l'aéroport de Batumi, au parking. Et
Ce qu'on va faire, voilà, ici j'ai placé donc des camions sur cette piste en croix entre Batumi et Kobuliti, qui se trouve au nord. Salut Goros. Canon tout simplement. Oui, merci, merci Goros. Tu peux nous rejoindre si tu as le temps. Hein. Enfin, nous rejoindre. Au moins sur le vocal, parce que là, j'essaie de montrer un petit peu bah justement ce que tu m'as montré pour la création d'un éditeur, enfin d'une mission dans l'éditeur, etc., etc. Et donc, je vais essayer de voir si je suis capable de refaire ce que j'ai fait pour le bombardement de ces camions sur cette piste ici que l'on a, enfin cette piste d'entraînement, on va dire, que l'on a sur laquelle on a installé les camions. Bref, voilà. Allez, c'est parti. Je regarde si la tour veut bien me répondre aujourd'hui. Salut Doudou. Ok, relais piste 31. Alors juste, je vérifie si je suis bien le bon sens. Ouais, c'est ça, faut que j'aille ici. Ok. Donc c'est parti. Alors, on va demander à retirer les cales de roue puisque sans ça on pourra pas partir. Donc à l'équipe au sol, cales de roue, retirez s'il vous plaît. Voilà, et normalement, voilà, ça nous a retiré les cales de roue. Donc c'est bon, on peut y aller. Un petit coup de gaz. J'active le nose steering pour pouvoir diriger la roue avant. Voilà, ça marche. Et on va se mettre en position sur la piste 31 pour le décollage. Alors, hop, voilà, je mets mes vues caméra pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'on fait de l'extérieur aussi. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Allons-y. Alors vraiment le vol en aile delta, c'est complètement différent de ce que j'ai pu enfin au niveau sensation hein, tout simplement de ce que j'ai pu faire avec le F-18 jusqu'à présent. C'est un avion qui réagit mais au doigt et à l'œil quoi. Et qui évidemment a tendance à décrocher assez rapidement. Faut faire attention toujours à sa vitesse hein, sur ces appareils. Si on prend un virage un peu trop serré, on peut rapidement, enfin moi j'ai tendance à faire ça, on peut rapidement perdre de la vitesse et se retrouver en décrochage. Donc toujours veiller à ça. On se fera un petit peu de rasemote aussi avec, dans les belles montagnes de cette map. Ça peut être très sympa à faire. Bah, vu que t'es en Géorgie, tu pourrais pas aller bombarder un peu du côté de l'Ukraine? Ouais, n'est-ce pas? Ils ont besoin d'appareils là-bas. C'est clair. Allez, je me mets en place sur la piste 31. Ok, autorisé à décoller, c'est parti. Il faudra faire une petite modification, changer pays des véhicules au sol car ils sont bleus. Ah ouais, c'est sûr. C'est clair, grosse. Non, mais on sait que Yotsuya, il aime attaquer ses alliés. Oh là, les alliés et les arbres. Ok. Mais c'est le bizutage. Ok, donc bah pareil à décoller. Je vérifie juste. On va quand même mettre le radar ici. Pour voir les cibles, on va se mettre sur EM. Hop. Donc
On pousse à fond le bouton radar ici. Et le reste, on le fera en vol. Tout ce qui est réglage, on le fera en vol. Ok. Pour l'armement. Pour utiliser l'armement correctement. Alors, c'est parti. Donc, on va pousser au moins jusqu'à 130, voire 140, pour pouvoir décoller en toute sécurité, parce qu'on est quand même lourd. Donc, je suis à 100 en vitesse. Voilà, 130, 140, je peux commencer à tirer. Hop. Et normalement, l'appareil, voilà, décolle tout seul. Hop, je rentre les trains. Le train à rentrer. Voilà. Alors je vais mettre le petit indicateur de vitesse en bas à gauche. Voilà. ok, c'est parfait. Je vais continuer de monter comme ça. Voilà, je mets le pilote automatique pour plus de sûreté. Donc là, pour l'instant, comme j'utilise rien au niveau navigation, enfin rien de dans le cockpit, on va faire du vol à vue jusqu'à la piste. C'est-à-dire qu'on va prendre un cap. Voilà, 36 degrés à peu près. Je désengage le pilote auto. On part sur 35 degrés. Vous voyez un petit peu les angles que je fais. J'ai tendance à virer fort avec cet appareil. Mais il réagit tellement bien. Allez, on continue. Donc j'ai dit un cap 35-36. Voilà, on y est. Hop. Je vais continuer de grimper comme ça. Voilà. Je crois que là, je suis plus automatique. Parfait. Donc, normalement, si je vérifie. Voilà, on voit qu'on se dirige bien vers la piste. Et maintenant, on va donc activer l'armement. Donc on se met ici. Première chose à faire, c'est mettre le radio altimètre sur marche, tout simplement. Pareil ici pour voilà, on va alimenter le radio altimètre ici et le mode, donc le mode H, je sais plus à quoi il correspond sur le radio altimètre. Enfin, c'est le radar plutôt. Mais c'est ce qu'il va nous falloir pour pouvoir détecter correctement les cibles au sol. Donc ensuite, j'active les bombes lisses. On va commencer par ça. Donc je clique ici sur bombes lisses. Donc il y a le S qui apparaît pour dire qu'elles sont sélectionnées. On va activer le Master Arm. Donc prêt à larguer. Et on va maintenant utiliser le sélecteur de fuse. Donc on va le mettre sur Instant pour que le largage se fasse de manière instantanée. On va sélectionner, alors je vais lancer deux bombes par deux bombes parce que sinon on va pas avoir beaucoup de précision, donc il faut faire une sorte de tapis en quelque sorte. Pareil au niveau de la distance, ici c'est x10, hein, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est x10, donc en gros c'est une bombe tous les 20 mètres. C'est ce qu'on devrait avoir comme impact au sol et c'est ce que l'avion va larguer en fait. Et ça va compter de 20 mètres en 20 mètres pour larguer une bombe. Donc les deux bombes seront larguées à un intervalle de 20 mètres, c'est ce que ça veut dire. Donc là normalement on est prêt. Ouais, je suis presque au-dessus mais bon c'est pas grave, on va faire demi-tour après. ce qu'il me reste à faire, alors que je dise pas de bêtises, normalement c'est bombe. C'est bien les bombes lisses, ouais. Donc il faut que je me mette au moins à 10 000 pieds, à 10 000 mètres. Non, c'est des pieds ou des mètres, je sais jamais, sur le Mirage 2000. Ce sont des pieds. Sur des pieds. Ouais, ça me paraît, c'est un peu haut pour 10 000 mètres. Ok, donc là, maintenant qu'on a ça, alors je désactive le pilote automatique. Je me remets à plat au niveau de mon assiette. Hop. On va sélectionner donc...
Bah on va afficher donc avec la commande CMD forward. Hop, voilà, on active la mire entre guillemets de visée. Vous voyez une espèce de petit losange qui est apparu avec deux traits latéraux, droite et gauche. Ça sort les pieds, ouais, c'est ça, Stan. Ok, il faut que je m'en souvienne. Et De toute façon, c'est donc, simple, il n'y a que les Russes qui ont des maîtres. ouais, c'est Tous ça. les autres ont des pions. Ok, bref. Donc on a l'affichage sur l'ATH qui s'est mis en place. Et maintenant, on va utiliser la commande AG designate, pardon, qui va nous servir donc à cibler au sol. Mais pour ça, il faut retourner évidemment sur la zone où se trouvent les cibles. Donc là, on voit qu'on a dépassé. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est reprendre un cap. Voilà, cap 219. Hop, on vire. J'aurais dû virer dans l'autre sens, mais bon, c'est pas grave. Je vire à gauche alors que j'aurais dû virer à droite, ça aurait été bien plus rapide. Donc 219, 220, on va dire. Voilà, cap 220. Et là, on voit la piste, effectivement. Vous la voyez là, hop. Donc si je zoome dessus. Voilà, on voit bien que elle apparaît sur le nez de l'appareil. Donc là, c'est simple. Il faut mettre le. Alors, je vais réduire la vitesse. Il faut mettre le. Alors, c'est ça qui est vraiment pas facile avec les bombes lisses. Il faut mettre le losange sur les cibles. Donc là, j'ai laissé les étiquettes pour que ce soit plus visible. Les étiquettes des cibles. Donc, on va se mettre dessus. Hop, je clique sur AG Designate. Et donc, on a deux nouvelles barres latérales qui apparaissent, ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, si je me trompe pas, maintenant il faut repasser au-dessus. Alors je vais attendre. Là vous avez une petite barre verticale, horizontale, pardon, qui monte. Et donc qui signifie que normalement on peut larguer les bombes, ce que je n'ai pas fait parce que j'étais pas en position de largage. Je vais remonter. Je vais remonter en altitude. On va refaire un passage maintenant qu'on a désigné l'endroit au sol où les bombes doivent tomber. On va prendre notre temps. On va refaire un passage propre. Alors je remonte. Hop, je remets un coup d'accélérateur, un coup de gaz. Voilà, pour reprendre de l'altitude. Et là maintenant, on va utiliser le bouton de largage des bombes. Donc tout ça, évidemment, ça c'est paramétrable dans les options de commande. Je vais vous montrer après comment je fais avec mon OTAS et mon joystick. J'utilise un X52. Hein. Voilà, on remonte. Je prends la distance par rapport à l'endroit que j'ai désigné. D'ailleurs, vous voyez que en kilomètres, qu'on s'éloigne de la zone que l'on a visée. Donc, j'attends d'être à 10 km avant de pouvoir retourner. Je me souviens plus de la hauteur idéale pour larguer ces bombes frais, ces bombes lisses. Mais tu peux faire quasiment du razzmatazz avec elle, c'est l'avantage. Ouais. Les bombes Ouais. lisses, hein, pas les bombes freinées. Ah non, c'est l'hélice, pardon, excuse-moi. L'hélice, tu dois pouvoir à partir de 3, entre 3000 et 5000. Bon, je suis à 8000, donc normalement ça. Ah oui, d'accord, donc je suis peut-être un peu haut là. Non, était peut-être un peu. Donc on va redescendre, hop, en nous redirigeant vers la piste. Ah bah ça y est, j'ai réussi à Donc faire du hop. ravitaillement avec le F16. Il y a une vitesse idéale également pour ce largage. Bah, le problème c'est que je dirais, je sais pas, 350 nœuds minimum, ça serait bien. Ça D'accord. t'éviterait de te faire toucher par les ennemis si jamais ils venaient à te tirer dessus. Ouais. Ce qui n'est pas le cas Là, ici, bien voilà. qu'ils sont Alors, vous alliés, voyez. mais. Voilà, là, je suis en vitesse de décrochage, faut que je fasse gaffe. C'est très facile de décrocher avec cet appareil. Bref. Donc là, hop, je suis à nouveau en direction de la cible. Donc on va essayer de remonter à 5000.
Entre 1000 et 10 000, ok Goras, merci. Ouais, enfin bon. Ouais. On va se mettre à 5 000, comme ça sera l'idéal. Donc je me redirige vers la cible. Alors vous voyez les deux traits latéraux là, les nouveaux traits latéraux qui sont apparus. Il nous indique en fait où se trouve la cible. Donc il faut en fait tout simplement tourner jusqu'à ce qu'elle soit à plat par rapport aux autres. Voilà. Traits latéraux, ça veut dire qu'on se dirige dessus. On se dirige vers l'endroit que l'on a désigné, tout simplement. Alors, comme je vous dis que c'est vraiment pas facile de faire du bombardement avec des bombes lisses sur cet appareil, c'est exactement le cas. Donc là, normalement, vous voyez, hop, le trait horizontal qui apparaît. Donc j'enclenche mon trigger pour lâcher les bombes. Et quand le trait horizontal va rencontrer le losange, ça devrait larguer les bombes, théoriquement. Ah, j'ai peut-être pas le bon angle. Ah, je suis en montée, ça va pas le faire. Si, ça a largué. Ok, ça a largué quand même. Ok. Donc là, normalement, la bombe, les bombes, parce qu'il y en a deux, que j'ai envoyées normalement par intervalle de 20 mètres, je sais pas, voilà, on les voit toutes les deux. Hein, voilà. Donc là, elles se dirigent vers la cible que j'ai désignée, à peu près hein, l'endroit que j'ai désigné, vous voyez, hop, vous voyez la précision, la vache. Hein. Donc je l'ai quand même endommagé le camion, parce que c'est le souffle qui a endommagé le camion, mais on voit que je suis loin de la cible. C'est vraiment pas pratique. À larguer ce genre de bombe. Bref, ça Faut bien fonctionne. que tu Hein. l'as pas largué droit. Hein. Enfin, non, Ouais, c'est en censé plus, la larguer droit. voilà, encore une fois, voilà, il faut avoir les traits verticaux, les traits horizontaux, par exemple, qui soient exactement alignés avec le losange. Il faut que tout soit aligné en fait. Donc là, évidemment, c'est pour ça que c'est compliqué de larguer avec ce genre de. Enfin, de larguer des bombes lisses avec cet appareil. On voit tout de suite les limites. Hein. C'est vraiment pas. Précis. Tu peux encore être plus précis avec l'hélice via un point offset. Alors ça, je ne sais pas encore utiliser ça. Tu définis un point initial, PI. Ah oui, d'accord. Ah, ok, avec le système PI. À désigner avec ton losange, puis tu rentres l'offset via cap distance et d'accord, latitude, longitude. D'accord. Faudra que je vois comment on peut faire ça. Alors là, normalement, il m'en reste. Alors si je regarde sous mon appareil, voilà, on voit que j'ai largué donc de chaque côté pour équilibrer, hein, ça équilibre. Il me reste encore un jeu de deux bombes lisses sous les donc les comment le la poutre là qui accueille qui peut accueillir deux bombes. Et on va pouvoir confirmer ça ici normalement. Voilà, on voit qu'il m'en reste plus qu'une de chaque côté. Ok? Non, j'en suis pas encore là, c'est clair. Encore une fois, voilà, comme le titre du stream l'indique, j'apprends à voler avec. Mais c'est un vrai plaisir, j'adore cet appareil. Donc là, on a vu que je manquais de précision. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc faire un donc ATDC dépresse. Hop, j'enlève le ciblage que j'avais précédemment réalisé, parce que je pourrais très bien refrapper au même endroit, mais on a vu que c'était pas efficace. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va repartir en direction de la piste à bombarder. Donc là, on voit que je me suis bien éloigné. Donc je reprends un cap 203, 200 à peu près. Non, dans l'autre sens, ça ira plus vite. Hop. Alors, je vais rester à 10 000 pour avoir le temps de cibler correctement. On va descendre en piqué sur la cible, mais à vitesse réduite. Pour essayer de gagner en précision sur l'endroit où on va désigner donc la zone de bombardement. Alors évidemment, c'est bien si vous devez bombarder. Voilà, je suis en train de décrocher. Si vous devez bombarder des cibles qui n'ont pas de répondant, hein, parce que vous pouvez très vite vous faire allumer. Si, punaise, je vais décrocher. Hein. Voilà. Si ces cibles donc ont de quoi vous attaquer. Hein. Avec des passages bas comme je vais le faire là, on peut évidemment se faire tirer dessus très facilement. Ok.
Donc là, alors je vais repasser à 10 000 pour avoir le temps de viser. Mais là, pareil, hop, ouais, 8 000, ça va aller. Je zoome à fond. Un piqué de 20 degrés, ouais, c'est ça, grosse. Effectivement, c'est ce qu'il faudrait que j'aie idéalement. Donc, j'ai réduit mes gaz au max. À la limite, il faudrait que je mette, que je sorte les aérofreins. Voilà, je, hop, j'affiche le losange, voilà, qu'on va pointer sur une piste. D'ailleurs, c'est peut-être ce que je vais faire. Je sors les aérofreins. Voilà, vous voyez un petit peu le manque de précision qu'on a avec ce système de visée. Là, je suis prêt à cliquer sur AG Designate, enfin utiliser la commande. Mais pour ça, il faut que je m'approche encore plus. Donc, on va vraiment aller au-dessus de la piste. Là, on la voit bien. J'enlève les aéros pour avoir un piqué de 20 degrés. Évidemment, voilà, je suis pas à 4-5 nautiques comme tu dis, grosse, de la cible, donc du coup, ça peut poser problème. Voilà, décrochage, attention. Je suis toujours à la limite, hein, de la vitesse avec cet appareil. Voilà. Si on veut être précis, c'est dur, hein. C'est vraiment dur. Donc on peut faire de la désignation comme ça de loin, mais vous voyez que c'est pas simple. En tout cas, moi pour l'instant, j'en suis pas là. J'ai vraiment encore du mal à bien cibler les zones à bombarder. Ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Et puis encore une fois, on voit que voilà, cet appareil est vraiment pas fait pour ça, quoi. Voilà, les cibles apparaissent. Je m'approche encore. Je réduis ma vitesse. On va piquer. Ouais, je suis pas idéalement. Là, je suis même pas à 10 degrés. Donc, je suis pas idéalement sur la bonne descente, haute descente. Mais c'est pas grave. On va essayer de. Hop, voilà, désigner au mieux. Là, je pense que j'ai gagné un petit peu plus en précision. Donc, pareil, là, hop, on remet un coup de gaz. On va repasser au-dessus. Voilà, vous voyez, hop, la barre apparaît tout de suite, donc je suis pas prêt à larguer parce que je suis beaucoup trop bas. On va remonter. Très bon moyen ce mode pour larguer des GBU laser, via le laser. Elle rectifie leur course, mais pour l'hélice, c'est pas la panacée. Ah ouais, non, mais c'est clair. Non, c'est sûr. Et encore, je sais même pas. Ouais, bah les GBU 12, oui, encore une fois, il faut une assistance. Hein. Tu peux pas le faire tout seul depuis le cockpit du Mirage. Hein. Pour illuminer les cibles. On est d'accord qu'il faut une assistance extérieure. Le guidage laser, il peut pas se faire. Enfin, on peut pas créer un guidage laser depuis le Mirage. C'est ça, hein, si j'ai bien compris. Ouais, body lasing obligatoire, c'est ça. Salut, salut, qui est là? Ah, on t'entend très faiblement. Ah, c'est Rio, ouais, t'as toujours un problème de micro. Je t'entends très faiblement. Ok, c'est vraiment très étrange. Attends, je vais voir si je peux Non, augmenter non, ton. mais t'inquiète, c'était juste, je te disais un petit coucou, c'est Ouais, juste. bah pas de souci. Voilà, je mets. Oui, non, c'est parce qu'il a pas le, il a pas le pod, le Mirage C. Mais c'est ça. Hein. Le Mirage C est fait pour du combat RR. Oui, comme disait Gross, comme il m'a déjà fait remarquer, c'est le Mirage D qui est équipé. Non. Normalement, mais nous, on l'a pas. Oui, le Mirage D, et il y a aussi le Mirage N, mais qui est pour la frappe nucléaire, et il y a aussi le Mirage 2000-5 qui est lui multirôle. Ouais. Il peut être à la fois RR, comme il peut être à la fois air sol, et il peut être aussi en attaque nucléaire, si je ne me trompe pas. Ouais, ok. Oui, tout à fait, c'est ça. Après, il faudrait demander confirmation à Boros, parce que c'est lui qui connaît mieux que moi que sur ça. Ouais. Mais je crois que le tiret 5 et le tiret 9, qui est entre guillemets le Mirage 2000 qui est pour l'export, eux ils peuvent être équipés du Démoclès. Je crois que c'est le pod de Démoclès ou
Thalès ou je sais plus quoi Mmh. qui sert Ouais. à désigner laser avec truc infrarouge et j'en passe des meilleurs. Voilà. Après je n'y connais pas plus que ça, je connais quelques trucs mais c'est après voilà. Le C était fait vraiment pour de l'attaque aérienne, pour de la supériorité aérienne. Absolument. C'est pour ça que maintenant il a été remplacé par Oui. le Rafale. Là, c'est clair, il est obsolète aujourd'hui, mais ça reste très agréable à piloter. J'adore cet appareil. De toute façon, tous les avions français sont bien à piloter. Hein. Ah ouais, Là, tu vraiment un prenais plaisir. n'importe quoi, c'était un avion. C'est Bon, clair. Allez, j'en Là, fais tu un m'entends mieux ou passage. pas? Comment? Tu m'entends mieux? Oui, je t'entends mieux, mais un petit peu, mais j'ai augmenté ton son aussi, donc ça va un petit peu mieux. Mais je comprends pas du tout. Là, j'ai changé de casque parce que je pensais que ça venait de mon 4, mais en fait, ça doit être Windows qui doit faire ses siennes. Là, je sais pas Ouais. pourquoi. Alors, vous voyez, on voit la piste, donc on va s'aligner par rapport au trait, voilà, que nous indique l'AG Designate. Voilà, hop, on s'aligne le plus possible. Alors, je vais me mettre à plat. Hop, on pourrait presque larguer ses bombes en pilote automatique. J'attends que la barre horizontale donc arrive par le bas de l'ATH. Voilà, ça y est, j'enclenche mes triggers de largage. Hop. J'essaie d'être le plus droit possible par rapport au trait. Et là, quand ça va couper le losange, ça va rencontrer le losange, ça va larguer les armes. Les bombes. Hop, voilà. Bombe larguée normalement. Voilà. Je confirme. Les deux bombes sont bien larguées. Donc on va voir si j'ai gagné en précision. Et là, vous m'entendez mieux ou pas? Ouais. Enfin, je sais pas. Difficile à dire. Voilà, est-ce que je vais taper un petit peu plus près de la cible? Non, c'est même encore pire, vous voyez? C'est même encore pire. J'ai cru que j'avais fait un meilleur. Là, j'ai même pas touché la cible. Même par le souffle. Donc vous voyez, c'est vraiment très compliqué. Hein. Donc maintenant que mes deux bombes, mes quatre bombes lisses ont été larguées, on va changer donc de mode de bombe. Enfin, on va changer de bombe tout simplement. Donc je coupe ça, voilà. Je me fais un TD Steady Press pour virer le mode de ciblage. Ici, donc, on va resélectionner hop, les bombes freinées cette fois et pas les bombes lisses. Donc, je désélectionne les bombes lisses et je sélectionne les bombes freinées. Voilà, en mode TAS et RS ici. Il faut que ce soit sélectionné aussi. Et maintenant, pour le valider, bah, c'est un petit peu la même méthode. Donc là, la seule chose qui va changer, parce que c'est des bombes une par une qu'on va larguer, donc pas besoin de mettre de distance. Je vais enlever la distance ici. Je vais mettre une bombe à larguer à chaque fois, en instant toujours. Et là maintenant, donc c'est une autre méthode complètement différente. Il va falloir faire du rasemote. En direction des cibles, là il n'y a pas de AG designate à faire ou quoi que ce soit. C'est simplement utiliser donc le CMD FWD pour activer la mire sur l'ATH. Donc ce qu'on va faire, c'est reprendre un cap en direction de la cible. Non, ici. Voilà. Donc cap 238, 240. Ouais, là, on va avoir de l'adrénaline. Effectivement, Stan. Et comment dire? La première fois que j'ai testé les bombes freinées. Oh la vache. Comment j'ai flippé, quoi. Parce qu'il faut être à 500 nœuds. Enfin, 500 km/h, parce que c'était km/h. À 500 pieds d'altitude. C'est juste super bas, quoi. On est au ras des arbres, au ras des immeubles. Donc ça fait vraiment flipper. Donc je perds de l'altitude exprès, hein, parce qu'il faut évidemment faire ça au ras du sol. Et là vous allez voir que quand on va faire apparaître la mire de ciblage, ça va être complètement différent des bombes lisses. Alors attention au décrochage. Vous allez voir que les bombes freinées, c'est vraiment une utilisation complètement différente. Je suis pas au bon endroit là. Qu'est-ce que je fais? Si, c'est ça.
Donc je descends, je descends, je descends. Lors d'un largage en groupe, faut pas être en retard sur son leader car on... Bah oui, c'est clair, tu te manges les bombes derrière. Donc je reste quand même assez haut, entre 2005 et 3005 pour quand même apercevoir la piste. Alors là, évidemment, je vais m'aider des étiquettes des ennemis, hein, c'est plus simple pour l'instant, pour l'entraînement. Mais en conditions réelles, entre guillemets, on n'a pas d'étiquette, donc il faut être capable de repérer la piste. Là, par exemple, je ne la vois pas du tout. Donc je prends de la vitesse, je descends. Je suis pas au bon endroit en fait. Bah si, je vois pas la piste. Ah, elle est là-bas. Ok. Donc on descend, on descend, on descend. Voilà, c'est bon. J'ai mes 500 nœuds, 500 km/h. On a les étiquettes. J'enclenche le CMD FWD. Voilà, on a une petite barre verticale qui apparaît. Et donc il va falloir placer le bas de la barre. Vous allez voir. Si j'arrive à être assez... Là, je suis trop haut en fait encore. Voilà. Faut que je pique, faut que je pique, faut que je pique, faut que je pique. On va viser, voilà. Et il faut que je mette le réticule du bas de la ligne verticale sur la cible. Donc ça fait vraiment flipper. Et je largue. Voilà, bombe freinée. Voilà, je l'ai eu. C'est un petit peu plus simple, hein, pour viser. Mais vous voyez que c'est effrayant parce qu'il faut aller super vite. C'est effrayant. Ça a marché. Bon, on a détruit au moins un camion. Donc du coup, là, si je regarde bien, sous mes ailes, voilà, on voit que il m'en reste encore 3 à larguer, si ça correspond bien à ce qui est marqué ici dans le radar. Voilà, on voit une, deux, 3 BF. Non, il me reste, oui, c'est ça, 3 BF encore. Donc bon, freiner à larguer. Ok, ça marche. Vous voyez, c'est, par contre, c'est super, super jouissif à faire, parce qu'il faut vraiment y aller à fond, quoi. Faut vraiment y aller à fond. Mais encore une fois, c'est voilà, on voit que l'appareil n'est pas du tout fait aujourd'hui, pas pour les conditions d'aujourd'hui, hein. Au niveau du largage, même des bombes freinées, parce que c'est bien sur des objectifs neutres, comment, des objectifs passifs. Si vous avez des bombardements à faire sur des cibles qui sont capables de répondre, vous voyez, même à 500 km/h, en rase-motte, on peut se faire dégommer, hein. Donc il faut vraiment faire attention évidemment à l'utilisation que l'on veut faire du bombardement. Dans quelles conditions, quel type de scénario, etc., etc. On voit que c'est vraiment pas fait pour une attaque sur des cibles qui peuvent répondre, tout simplement. Allez, on fait un passage. Donc je repasse sur donc la piste, au-dessus de la piste. Et voilà, on voit que le camion a été détruit. Ah, salut Goras. En espérant que la quatrième ne merde pas. Salut Lick. Oui, c'est vrai que hier, ouais, hier ça avait merdé. Hein. Voilà, je fais des conneries. Là, vous m'entendez mieux là ou pas? Bah, c'était. T'es toujours loin. Ouais. Mais bon, je t'entendais presque mieux tout à l'heure. Ouais, je t'entendais mieux Vous tout à l'heure. m'entendez mieux? Non, je t'entendais mieux tout à l'heure. C'est marrant, hein. Ouais. Donc pareil, je reste avec en largage de une bombe par une bombe. Hein. Évidemment, on peut larguer toutes les. J'aurais pu larguer les 4 bombes à la fois. Hein. Mais comme on a un petit peu plus de précision, bah du coup, pourquoi pas s'amuser à faire du largage un par un. Comme ça, on gagne, on essaye de gagner en précision en fait. Allez, c'est parti. J'essaie d'atteindre les 500 km/h. Voilà, on a les cibles qui commencent à apparaître. Je vais essayer de viser celle-là. Je descends en dessous des 1000 pieds. Il faudrait même. On dit qu'il faut. Enfin, comme tu disais, Grosse, hier, il faut faire du 500 km. Enfin, 500, c'est ça, km/h. 500 pieds, en gros, c'est ça. Donc là, je vois pas du tout ma cible. Je sais pas où elle est. Là, je crois. Hop, largage. Ouais, on voit que j'ai tapé un petit peu loin. Ah non, ça va.
Ah, ça l'a endommagé, le souffle l'a endommagé, mais on voit que voilà, c'est pas facile. Hein. Là derrière les arbres, elle était cachée derrière les arbres, celle-là c'était pas facile à avoir. Bref, ça fonctionne. Donc la deuxième est larguée, on va refaire un passage bien évidemment. Là, vous m'entendez mieux? Ouais, là c'est mieux. Je t'entends à peu près comme tout à l'heure. Et là, tu m'entends mieux là? Non, c'était mieux avant, mais bon. Là, c'est mieux? Ouais, je trouve que c'est mieux là. C'est un petit peu plus clair. C'est Windows qui décide de merder. Ouais. Rio, sous Discord, les paramètres micro et son, tu les as mis par défaut ou tu as ciblé ton matériel? J'ai ciblé mon matériel. J'ai ciblé mon matériel Allez, on repasse. en micro Cap podcast 220. et haut-parleur de mon casque. Et est-ce que tu as ensuite étalonné ton micro sous Discord? J'ai fait la vérification. Vérification. Là, il détecte la sensibilité d'entrée de micro. Ouais, c'est ce qui se passe un peu en Ukraine, effectivement, Doudou, actuellement, hein, où les Russes volent en basse altitude pour éviter les radars et se font shooter par les Mistral et les Stinger que l'Europe a livrés à l'Ukraine. C'est un peu ça, c'est vrai. Donc effectivement, avec le Mirage 2000, c'est encore pire, parce que là, ouais, t'as vraiment aucun moyen de te défendre. Donc il faut vraiment viser des cibles neutres, quoi. Avec ce Si tu as type moyen de d'armement. te défendre, Ouais, mais c'est mais très limité. il faut approcher bas, qui te permet d'être sous le seuil radar. Ouais. Là, vous m'entendez mieux? Oui, tout à fait. Là, moi, je trouve que je t'entends enfin, correctement, on va dire. Doros? C'était toujours lourd, hein, mais Ouais, mais un petit je vais peu, monter le ouais, son. un petit peu plus clair quand même. Bah, je sais pas, j'avais pas eu de problème avant avec Windows et là, je sais pas, j'ai essayé de régler le micro, rien du tout. Mais je t'entendais mieux quand t'es arrivé, en fait. Alors, on va reprendre une autre cible par là-bas. Je vais aller Alors là, faire c'est pareil, je pourrais zoomer hein, pour gagner en précision. du minéral, du miné. Non, je vais là, je vais peut-être me faire du multi. J'ai envie de me faire. On va aller sur l'extérieur là-bas. J'ai envie de taper sur les gens. J'ai envie de me défouler. Avec mon talos, mon talon. Alors, il faudrait évidemment essayer de toujours viser la même cible. Bon, je vais vous laisser. Ouais, ok. Et je vous dis à bientôt. Attention au préau Salut. largage. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Largage. Je remonte. Là, je l'ai eu. Nickel. On était presque dessus, là. J'ai failli la mettre dans le coffre. Ben bon, il faut savoir que les MK82, que ça soit freiné ou pas, tu les lances à plusieurs bombes en même temps. Tu peux Oui, tirer pas du oui. tirer. Là, c'est vraiment pour montrer comment ça fonctionne et voir un petit peu la différence par rapport aux bombes lisses où on gagne vraiment en précision à faire du Snake Eye, quoi. Par contre, tu as inversé un petit peu la procédure par Ouais. rapport les bombes freinées que tu utilises actuellement. Ouais. Ton approche, il faut qu'elle soit basse et rapide, mais de relativement assez loin. Là, tout ce que tu fais, tu le fais au dernier moment C'est vrai, je le pratiquement. fais au dernier moment parce que je vais avoir la précision maximale, je suis d'accord avec toi. C'est Là, vrai. c'est pas bon. Par Ouais. contre, tout à l'heure, quand tu as balancé tes bombes lisses, tu laissais ton avion sur l'horizon. Oui. C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais. Il Oui, il faut imprimer faut un piquer. angle, hein, c'est ça. Il faut piquer sur ta cible. Ouais. Et parce que le marqueur que tu fais au départ te donne que une position aléatoire. Et tu finalises toi quand tu fais ton piqué. D'accord. Et puis en plus, tu gagnes peut-être aussi en efficacité au niveau des bombes, parce que tu les balances plus vite, quelque part, j'imagine. Donc ça, t'as peut-être Ben, une pénétration plus importante. t'as moins de dérive. Ouais. En plus, ouais. Alors, cap 70. On va redescendre.
Stan, tu dis avec un bon pré-brief, si tu passes 500 nœuds de travers à la défense, je suis pas sûr qu'un Stinger ait la possibilité de te lock. Je peux dire des bêtises, d'accord. Ouais, non, c'est vrai, j'en sais rien. Non, 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 t'as raison. Du fait de ton arrivée vachement bas, Il n'y a pas le temps en fait. le dispositif te voit qu'au dernier moment, donc il n'a pas le temps de t'accrocher et de tirer. C'est pour ça que généralement, quand tu fais un passage haute vitesse, basse altitude sur le 2000 et même sur les autres avions, tu balances dans la foulée des leurres et tu fais un virage. D'accord. Et Vous si, voyez que j'ai par pas la technique, exemple, au hein. cas où on te tire, ben tu leurres ton tir et tu dégages. Et quand tu dégages, tu prends un angle de 90 degrés par rapport à ta cible. D'accord. Et surtout, il ne faut pas remonter. Il faut descendre et rester sous le seuil radar. Allez, je reprends de la vitesse. Voilà, je vois une Voilà. cible là-bas. Hop. Là, tu devrais déjà être en basse altitude. D'accord. Mais avec le retard du stream, moi je te vois aligné Bien sûr. sur la piste et t'es à 4000 pieds. Après, la méthode, c'est vrai que j'utilise, moi, c'est que je me sers de la barre verticale pour être sur l'ennemi, en fait, Aligné, ouais. aligné avec l'ennemi, et après, je balance, ouais, je m'approche au maximum, et je balance au dernier moment. C'est vrai que c'est pas forcément la meilleure méthode. C'est pour ça que je t'ai dit que normalement, quand tu fais Ah, j'ai du raté. bombardement comme ça, tu connais l'axe. Ouais, vous voyez? Donc Ah, j'étais loin, là. Ouais. tu prépares ta course en fonction Ouais. de l'axe, Tout à fait. ce qui te permet d'arriver endommagé. Ouais, donc là normalement j'en ai plus, hein, on est d'accord? Voilà, j'en ai plus. Donc ce qu'on va faire. Ah oui, alors là du coup, comme j'ai plus de bombes, j'ai à nouveau la conf qui s'est allumée, le message, enfin l'alerte conf. Donc ça veut dire qu'il faut que je reclique sur charge ici. Parce que je n'ai plus de charge justement. Voilà, faut rééquilibrer les trims de l'appareil. Ok. Donc on va essayer de faire un atterrissage quand même. Il est quelle heure? J'ai encore le temps. Hein. Ouais, c'est bon, 11h30. On va repartir direction Batumi. Normalement, on va aller en direction de la mer pour avoir le vent de face. Ouais, on va garder le cap 31. Donc 238. Ok. On est reparti. T'auras pas un cap 31 si tu arrives de la mer, c'est le cap inverse. Oui, pardon. Juste pour info. Oui, tout à fait. Parce que j'ai décollé en 31, mais je voulais redécoller dans le même sens que j'ai atterri. Que je voulais atterrir dans le même sens que j'ai décollé. Ben à ce moment-là, il faut que tu fasses une arrivée par les terres et non par la mer. Si je veux continuer d'avoir le vent en face pour l'atterrissage, c'est bien par la mer qu'il faut que j'arrive. Non. Parce que j'ai décollé avec le vent de face vers la terre. J'ai décollé Ah. vers la terre, j'ai pas décollé vers la mer. Ben, la tour t'a donné 31 ou... 31. Ouais, ben voilà, donc c'est face à la mer. Ah, j'étais face à la mer? Ah oui, j'étais face à la mer. Ben J'ai dit des oui. conneries. Oui, toi pour moi. J'ai dit des conneries. C'est vrai, je me souvenais plus. On va essayer de s'aligner, cap 215. Hop. Donc là, il faut que tu arrives par les montagnes. Oui, tout à fait d'accord, c'est ça. Donc là, hop, j'enlève le mode de combat, je coupe le master arm, hop, et je vais sélectionner le mode d'approche quand je serai en approche pour pouvoir bénéficier de meilleurs, comment dire, enfin, pour éviter que l'appareil réponde trop en fait, et de manière à gagner en précision pour l'alignement sur la piste. Et aussi pour afficher de la symbologie pour En être plus, un atterrissage, sur le HUD, autrement ouais. tu l'auras pas l'affichage. Ouais. Alors comme je t'ai dit hier, pour le poser, généralement tu te fies à des points géographiques. Là, Batumi, ben, c'est la petite rive, le fleuve qui sort de la mer.
comme point de repère. Tu Ouais. longes ça et tu arrives plus ou moins dans l'axe Ouais. de la piste par contre. Est-ce qu'il me reste du carbu? Oui, t'en as, t'es à 2000. 2002. Alors vous savez ce qu'on va faire? On va s'amuser un petit peu avant d'atterrir. Les montagnes sont tellement belles. On va se mettre en vue comme ça, externe. Et on va s'amuser un petit peu à slalomer dans les montagnes. C'est tellement beau, j'adore cette map. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Si vraiment je suis perdu, j'utiliserai le tacorne de la piste. Il doit y en avoir un. C'est beau, hein. J'adore, hein. D'accord, de 10. Ouais, d'accord. C'est chouette, hein, j'adore. Descends, descends, t'es trop là, c'est pas marrant. J'ai peur quand je descends trop bas. Puis je vais pas vite là. Le 2000 est maniable, donc Ouais. par contre les virages, si t'as une faible vitesse C'est déjà, clair, c'est clair. il faut pas les prendre serrés. On est d'accord. Parce que là ton Ouais, point de je réaction. descends là. Tellement bien fait, j'adore. C'est chouette, hein. Vraiment chouette. Hein. Elle est très belle cette map. Hein. J'aime beaucoup la map Syrie, hein. Mais alors la Géorgie, c'est particulier quand même. Hein. Ces montagnes boisées là et tout, c'est vraiment vraiment classe. Ouais, c'est ça. Le cours d'eau qui est sur ta gauche. Ouais, on va essayer. Ah, un petit véhicule. Et deux véhicules. Je suis la route. De quoi? Des véhicules au sol. Oui, il y a des petits véhicules là. Hein. Il y a des véhicules. Voilà, route sur la rivière de toute façon. Ah, c'est chouette, hein. Ouais, qu'on se refasse la mission en passage bas là sur qu'on avait sur la map Georgie. Ah, C'était vraiment chouette. au départ du barrage. Ouais, au départ du barrage. J'ai aimé beaucoup cette mission, même si c'était effrayant, parce qu'il fallait vraiment raser les arbres. Et échapper à la menace. Ouais, échapper aux menaces. Aller. Absolument. C'est pour ça qu'il faut voler bas. Ouais. Ah, la rivière bifurque à droite, on va essayer de la suivre. Oh, quel plaisir de voler avec cet appareil. J'adore. Un vrai régal, hein. Ouais. Ouais, c'est bon, je peux aller. Je peux cramer au moins 1000 gallons là, sans problème. Ouais, c'est chouette. Bon, je prends pas trop de risques, hein, mais c'est très beau quand même. C'est ça, Doudou. Voilà, punaise. Là, par contre. Elle tourne à fond là. Je l'ai perdu.
Je l'ai perdu dessus. Elle m'a eu. Ah non, elle est repartie à gauche. Voilà. C'est ça. Ah la vache, regardez la vitesse que j'ai perdue d'un coup là. Parce que j'ai fait un break, virage très serré. Il est beau ce oiseau. C'est une des particularités des Elfos. Ouais. Tu casses très très vite la vitesse. C'est ça. Mais alors t'as une maniabilité d'enfer quoi. Alors c'est marrant, la rivière qui... On a l'impression qu'elle remonte la colline. Ouais, décrochage, décrochage. Ah, je vais me cracher. Ah, je me suis craché. J'ai voulu remonter la montagne. J'ai voulu remonter et en fait, j'avais pas assez de vitesse. Bon, bah c'est pas grave, c'est pas grave. On verra même pas d'atterrissage. Bah si, on va en faire un là. On va en faire un là. Ah, j'ai voulu passer trop bas sur la montée et j'aurais pas dû. J'aurais dû garder de l'altitude. C'est parce que déjà t'avais une vitesse. Oui, bah oui. Mais quand tu tires sur le manche du 2000, systématiquement, il faut que tu mettes des gaz. Tout à fait. Si tu touches pas à la manette, trois quarts du temps, c'est mort. Ouais. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que j'ai un moyen de vous montrer comment on fait un démarrage à froid? Je peux le faire directement. Attends, on va revenir. On va quitter la mission. Ok. Ça vient de toi, Zark. Ah, salut Zark. Ouais, parce que le Discord est bien normalement. Mais les sirènes de pompiers. Ah oui, très bien. Et tout doux. Donc, ce que je peux faire, c'est. Qu'est-ce que je pourrais avoir? Parce que toutes ces missions-là, elles sont obsolètes. Là, il faudrait que je refasse des sauvegardes sur la version actuelle pour que ça fonctionne. Je vais chercher en Mirage 2000. Est-ce que j'ai pas des missions toutes prêtes? Non. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est sortir d'ici. On va changer l'appareil. Action immédiate. Mirage 2000, démarrage à froid. Cold Star, voilà. Et dans le Caucase. Ok. On va se faire ça. Hop. Pour vous montrer un petit peu les séquences de démarrage du Mirage 2000 quand on démarre à froid. Non, Zork, t'es interdit ouais. De rejoindre. Vol solo. De toute façon, hier soir, j'étais pas en condition de streamer, donc j'ai pas streamé. Donc, on va faire ça. Hop. Et comme tu nous as espionné dans l'après-midi, t'es banni. Il a pas des bonnes sources en plus. Ok, alors. Voilà, là, on est donc sur le Mirage 2000. Qui c'est qui est avec moi? Ah, d'accord. Il y a deux autres Mirage 2000 qui décollent. C'est normal. Ouais, non, mais d'accord. Ok. T'as pris une action immédiate. C'est ça. Toujours un petit peu... Ouais, je me souvenais plus. Faire le tour et se reposer. Ouais, je me souvenais plus. Ok. Bref, donc, démarrage à froid. On va commencer par l'allumage de la batterie, qui se trouve donc sur la planche de droite. Donc, on allume la batterie. Ensuite, on va procéder à l'allumage du moteur. Donc pour ça, il faut aller ici, au niveau des pompes. Et on va les allumer tout simplement. Hop, en position de marche. Le coupe-feu, pareil. On fait la même chose pour le starter de la pompe. Hop, ça on laisse. On soulève le capot. On appuie 2 secondes. Hop. On entend le démarrage moteur, on met un petit coup de gaz. Et là, normalement, il a démarré. Voilà, il a démarré, ok. Voilà, on voit bien qu'il a démarré. Et on le voit évidemment dans le cockpit, avec le nombre de tours ici, qui s'affiche là. Et ici, donc. Voilà, une fois qu'on a fait ça,
Bon, puisque c'est comme ça, je vais pas te rejoindre. Bah non, Zark, je suis en solo là. Donc on va allumer les écrans maintenant. Alors, si je regarde ici. Ah, j'ai encore mon joystick qui. Mon OTAS qui vibre. Je pensais que j'avais réglé la zone morte avec toi l'autre jour, hier, grosse, mais ça n'a pas marché. Ça déconne encore. Bon, bref. Bizarre. Ouais, bizarre. On va allumer donc les écrans. Alors d'abord, l'écran du bas. Hop, avec ce petit bouton ici. J'espère que vous voyez bien si je zoome assez. Voilà, le Elle est bouton plaie. marche arrêt du VTB Power. Comment? Elle est plaie réduite, ta manette des gaz là. Oui, complètement. Donc, hop, on active le petit bouton ici, ça va allumer cet écran. Et le temps que ça s'allume, on va allumer l'ATH, donc la vision tête haute que l'on a ici. On le met en position haute, voilà, pour que ça allume également l'écran ici. Enfin, l'affichage tête haute. Donc, l'écran du bas s'est allumé. Ici, pour l'instant, on n'a rien à afficher, donc ça s'affiche pas. Voilà, ça y est, hop. On a le petit zéro en haut à droite qui s'affiche pour indiquer que l'écran est bien allumé. Une fois qu'on a fait ça, on va régler le système INS. Tu peux rappeler, Goros, en quoi ça consiste exactement le système INS? Enfin, à quoi ça sert dans l'appareil de l'allumer? L'INS te permet de te donner ta situation, ta position en temps réel, à l'endroit où tu es et pendant le vol. Voilà, donc en fait, ça calcule la position en permanence de l'avion. En gros, c'est ça. Oui, ça te cale dans le monde, on va dire, au travers des satellites. Voilà. Si tu fais pas ça, au niveau des informations du HUD, sont complètement erronées, style cap. Voilà, ça permet d'aligner toutes ces informations, en fait. Ok. Qui sont évidemment essentiels quand on est en vol. Donc première chose qu'on va faire, donc ça se passe sur la planche de droite. On va aller sur le rotateur ici, sec, nav, etc., etc. On va le positionner sur veille. Ici, VEI. Une fois qu'on a fait ça, on remonte sur l'écran du haut, voilà, qui s'est allumé. On va cliquer sur prep. Normalement ici le code pour l'allumage c'est 20. On fait insertion ici, on a clic sur insertion, le bouton insert, voilà. Là, je suis prêt à rentrer les coordonnées donc GPS de l'appareil que l'on trouve sur la petite planchette que l'on a normalement accrochée à sa cuisse. Et pour la faire apparaître, on fait Shift droit K, ça apparaît. Et si on va sur la troisième page, on active les pages en bas. Hop. On a les positions ici, latitude, longitude de l'appareil qu'il faut, enfin la position où on est, qu'il faut rentrer en fait dans l'appareil pour indiquer le point de départ de là où on se trouve. Ouais, la centrale inertielle. C'est ça, Zark. Indigeste de nouilles en soupe. Je ne sais pas. T'as faim, Doudou? Il est l'heure déjà? Ouais, presque l'heure. Donc, on va rentrer de la latitude. Pour ça, on va cliquer sur plus 1, qui est donc. L'indicateur de la latitude. J'ai rentré plus 1, prêt à rentrer les chiffres de la latitude. Donc là, on a N 42 52 124. Donc je clique sur N, sur 42 ensuite, sur 52 et sur 124. Voilà, et on voit que les deux derniers chiffres ne sont pas inclus dans l'affichage, mais ils sont bien pris en compte. Une fois qu'on a rentré ces chiffres, on valide avec insertion. Voilà, on voit ici en haut à droite que ça a été validé. La position est bonne. On fait la même chose avec la longitude. Et là, la longitude, c'est le bouton plus 3. Donc on clique sur plus 3 et on va rentrer E041, etc., etc. Donc E041 07 285. Voilà, on voit toujours les deux derniers chiffres qui ne sont pas indiqués, mais ils sont bien rentrés. J'insère. On a. Ouais. Je voulais apporter une petite précision. Au vas-y. départ, on met le waypoint numéro 20
parce que Mirage oui. 2000, tu peux rentrer que 20 points de navigation. Ici, c'est le waypoint. Ouais. Et généralement, le 20e, on ne fait pas aussi long. Mais on pourrait mettre le point 6, le point 7, le point 3 pour donner sa position. Ouais, ouais, tout à fait. Si par exemple, la nave comporte 7 points, ben, tu mets le 8 en point de référence par rapport à ta... Ouais, c'est, qui correspond au point de départ, en gros. Ouais, ok. Donc, une fois que ça c'est fait, on va rentrer maintenant l'altitude, qui est de 15 mètres, et on parle bien de mètres ici, pas de pieds. Donc, on va utiliser le rotateur ici, INS Parameter Selector. Excusez-moi, j'ai une chatte dans la gorge. On va cliquer sur Alt pour altitude, enfin... pousser le rotateur, voilà, hop, sur altitude avec le clic gauche, clic droit de la souris pour bouger le rotateur. Là, on a donc deux nouveaux séries de chiffres qui apparaissent. Ici à gauche en pied et là en mètres. Donc pour pouvoir indiquer la position en mètres, il faut cliquer sur plus 3, mais deux fois. Si on clique une fois, on indique la position en pied. Donc pour indiquer la position en mètres, on va cliquer deux fois. Une fois, deux fois. Là, on a la position en mètres qui est qu'on peut insérer, donc là c'est 15, je clique sur 15 et on insère, et ça là on a donc là on a validé la position de l'altimètre à 15 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est français, Zark, donc c'est en mètres et ouais et en kilomètres, c'est et ça en kilo, enfin du système métrique. Ok. Maintenant que ça s'est rentré, on n'a plus besoin des informations de la petite planchette. On l'enlève. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? On va donc pour valider tout ça, ici indiquer alors le rotateur ici STS N avec le N encadré. On va le mettre sur STS. C'est l'INS Operational Mode. Je clique dessus pour le mettre sur le mode STS. Une fois qu'on a fait ça, je peux ici, alors on le voit pas, mais hop, voilà, faut que j'aille ici. Le sélecteur INS mode qui était sur veille, on va le mettre sur ALN pour faire l'alignement des données qu'on vient d'entrer. Voilà, on le place dessus et on va, vous voyez qu'il y a un petit bouton val qui s'est activé, on va cliquer dessus pour valider tout ça. Hop, voilà, et là maintenant, on a le temps ici, on a un chrono qui va démarrer et qui va il faut attendre en fait la fin du chrono pour que l'alignement de toutes ces coordonnées, ces informations soient rentrées en fait dans l'ordinateur de bord. Donc il faut attendre que le chrono tombe à zéro. En attendant, on va... Hein ? Petite précision. Ouais. On peut aussi procéder sur le Mirage 2000 sur un alignement rapide. Dans ce cas-là, il faut, dans les paramètres de DCS, activer l'alignement rapide et ensuite, dans le cockpit, utiliser aligne le... Enfin, si tu peux montrer le ouais. Connecteur. ALN ? Là où il y a marqué ALN ? Ouais. ALN, je sais plus quoi derrière. C'est ALCM, non ? Je sais plus. Ben, regarde, sur le... c'est marqué, c'est juste un cran au-dessus du... Ouais, c'est le ALCM. Ouais, c'est ça, c'est ALCM. Si on veut se passer du décompte qui a commencé ici. Vous voyez ? Enfin, pour que ça aille plus vite, en fait. Ouais. Bref. Maintenant qu'on a fait ça, on va... Alors là, c'est quelque chose que j'utilise pas pour l'instant, mais je le fais quand même pour l'avoir en habitude. C'est brancher ici les systèmes de l'heure. Donc, on va tout mettre ces boutons sur marche. Donc M au lieu d'arrêt, A pour arrêt, normalement c'est voilà, c'est pour utiliser les leurres en vol, hein, s'ils ont été paramétrés correctement, etc. etc. Donc une fois que ça c'est fait, on va passer sur la planche de gauche. Hop. Voilà, on va faire préchauffer le radar. Que ça peut servir, donc on l'active d'un cran sur la droite pour l'aligner sur PCH.
Ensuite, là, une chose encore que je ne sais pas utiliser parce que je débute vraiment sur le Mirage 2000, c'est l'utilisation de la radio, mais on va quand même l'allumer. Donc le VHF, on va le mettre sur le mode FF. Ensuite, ici, l'UHF, on va le mettre en mode marche. Si je zoome à fond, voilà, vous voyez qu'il y a marqué arrêt, là, c'est en position arrêt, il y a le M en haut. Donc on va tourner pour le mettre en position marche. Voilà, ce qui permet de communiquer avec la tour, entre autres. Une fois qu'on a fait ça, on va procéder. Alors, c'est quelque chose de délicat sur le Mirage 2000. J'ai vraiment du mal, surtout sans trachéaire. C'est la fermeture de la verrière. Donc, pour ça, nouvelle procédure là depuis la 1.5, il me semble. Enfin, depuis la dernière mise à jour. C'est de bien, voilà, tirer avec le clic droit sur la poignée pour mettre en position de verrouillage. Enfin non, si vous regardez bien, c'est pas verrouillage qui est indiqué, mais c'est descente, d'accord? Il y a marqué descente. Ouais, il y a verrouillage dans ce sens-là, mais nous on a poussé vers le fond en fait pour se mettre en descente. Et là maintenant, on va essayer de choper les poignées. Donc ça, il faut que je dézoome à fond parce que sinon ça déconne. Ouais, les deux poignées là, qui sont ici et là. Voilà, on voit que quand je passe le curseur, je sais pas si vous voyez le curseur qui change quand je passe la souris dessus. Mais on va baisser donc la canopie, la verrière. Donc pour ça, moi je me positionne bien en haut. Voilà. Pour avoir le temps de la descendre, on fait clic gauche, on laisse enfoncer. Et on descend la verrière jusqu'à ce qu'elle se ferme automatiquement. Voilà. C'est bon, elle s'est fermée. Maintenant, je rezoome sur la poignée. On va verrouiller. Vous voyez, on va utiliser ce système de verrouillage en poussant avec le clic gauche. Voilà, hop, on a vu. On a entendu un petit clic. Et ça a bien, ça reste en position verrouillée, et on a vu que ça. Et on voit la verrière avancer. Voilà, on voit la verrière légèrement avancer. Donc ça, c'est pas évident. J'ai eu du mal à. Enfin, je me suis battu longtemps avec la verrière pour comprendre comment ça fonctionnait. Ben, Bref. c'est comme la réalité, c'est-à-dire que le pilote, il attrape la poignée Ouais, à la baisse. tout à fait. Il déverrouille pour décrocher la verrière de son verrouillage. Ouais. Il tire à la main jusqu'à la fermeture Ouais. où il la tire et il met l'entrebâilleur. C'est la poignée Oui, ouais. rayée noire et jaune. Voilà. Je viens d'augmenter le son de Goros, Zark. Je sais pas si tu l'entends mieux. Mais moi je l'entends bien, donc c'est bizarre. Tu me dis que je l'entends pas bien, mais. Bref, donc une fois que ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, un truc que j'ai pas fait sur la planche de gauche. C'est tester l'hydraulique et l'électrique. Les boutons qui sont là. Donc on va déverrouiller donc le petit capot ici avec clic gauche. Faire un clic droit pour le mettre sur la position marche. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà, arrêt marche. Donc je le pousse en position marche et j'attends que le petit voyant ici passe au vert. Ça teste en fait le système électrique. Vérifier qu'il n'y a pas de panne. Ce genre de choses. Regarde les primes en même temps, tu vois si ça joue. Oui, sur l'hydraulique, oui, ça marche. Sur le. Là, ça marchera pas. Hop. Normalement, les trims sont ici, on les voit là. Mais ça marchera pas tant que j'aurai pas testé l'hydraulique et je peux pas faire les deux en même temps. Voilà. L'électrique est passé au vert. Je referme le capot. Clic gauche. J'ouvre l'hydraulique. Toujours clic gauche. Et je le passe en marche. En sachant que la position marche correspond aussi à l'hydraulique. Donc je le pousse vers l'avant. Et là, si je regarde mes trims. Voilà, on voit que ça les teste. Vous voyez, hop, ils bougent ici. Donc c'est simplement pour tester normalement même de l'extérieur. Voilà, on voit voilà, les ailes qui, enfin les ailerons qui bougent. 50, en faisant les CDVE, tu testes la chaîne électrique des commandes de vol. Voilà. Donc c'est indispensable évidemment avant de décoller, s'assurer qu'il n'y a pas de panne avant de se retrouver en l'air. Voilà, une fois que c'est fait, normalement c'est passé au vert. Voilà, on voit que c'est passé au vert, on referme le capot. Ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai à faire encore? Oui, alors je vois qu'il me reste encore. Alors c'est pas des secondes, hein, mais 15 tours, 15 cycles pour l'INS. Donc on va ici activer le bouton de la sonde Pitot. Donc sonde qui va évidemment nous servir pour la détection de la vitesse de l'appareil. Donc très important de la mettre en marche. Hop! On voit qu'il y a un petit capuchon dessus pour pas qu'elle repasse en position neutre. Je vais ici
enclencher, enfin mettre l'allumage du système audio. Donc comme ça, s'il y a une panne, ça va sonner dans le cockpit. Donc là, évidemment, ça va sonner et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est pour ça que je le fais dans cet enchaînement. Donc là, le système audio fonctionne bien, on a la preuve, parce que je n'ai pas encore activé l'hydraulique, qui est le prochain bouton ici. Donc du coup, comme je ne l'ai pas activé, ça sonne dans le cockpit et ça prouve que l'audio fonctionne. Hop, maintenant, je mets ce petit bouton en position marche. Voilà, c'est pour l'hydraulique. Donc l'hydraulique fonctionne. Et c'est la pompe d'hydraulique d'urgence, enfin la pompe hydraulique d'urgence, je ne sais pas si on pourrait dire ça comme ça. Donc elle est bien branchée et on n'a plus de panne qui s'affiche sur le tableau de panne. Donc c'est la pompe de secours. Ouais. En cas de défaillance hydraulique, manque de pression, ça Ouais. permet de d'enclencher et de descendre le train. Voilà, donc c'est évidemment super important. Donc il faut tester tout ça avant de décoller. Là on voit que l'INS est arrivé à zéro, donc normalement notre système INS est opérationnel. On va valider donc tout ça en faisant ici, en remettant la position de l'INS opérationnel mode de STS à N, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Hop, on repasse sur N. Et ici, l'INS Mode Selector, qui était sur ALN, on va le mettre sur NAV, pour avoir les indications sur la TH. Cap et tout ça. Voilà, hop. Donc ça va enclencher toutes ces informations en basculant sur le mode NAV. Qu'est-ce que j'ai oublié encore? J'ai oublié le cage, des cages de... Enfin, une cage de l'altimètre. Donc on va le faire. L'ADI. Alors je sais pas si j'utilise correctement quand je fais ça, parce que là normalement, voilà, j'essaye avec la molette de la souris de le baisser, je ne peux pas parce que c'est cage, donc c'est barré, en fait on peut pas bouger l'altimètre et le mettre en position ici au ras du sol pour que ça corresponde bien. Comment expliquer ça? Je sais pas comment expliquer ça au niveau de l'ADI. Ouais, c'est pour que l'horizon colle pile à la position de l'appareil sur le sol. Hein. Là, en l'occurrence. Donc, on va cliquer. Là, pour moi, je suis obligé de faire un clic gauche ou clic droit et d'utiliser la molette en même temps. Et là, ça permet de descendre correctement pour l'aligner sur l'horizon. Hop, il est aligné. Je relâche. Et normalement, quand je relâche, là, à mon avis, il y a un petit bug parce que quand je relâche, je peux toujours, voilà, utiliser. La molette pour remonter ou descendre, c'est pas normal. Normalement, ça devrait le verrouiller. J'aurais pu être capable de. Ici. Non, ça c'est normal. Ce Ouais, n'est pas c'est. normal. Mais en vol, c'est pas normal parce que imagine que je fasse un misclic dessus. Non, non. Or, cet instrument, c'est un instrument de secours. Ouais. Alors, si tu as une panne au niveau du HUD, c'est lui qui te sert comme repère Bah oui. si tu montes ou tu descends. Donc, le fait de le caler au sol, après, tu n'y touches plus. Oui, mais pendant le vol, sans faire exprès, je peux le toucher, quoi. C'est ça qui est pas Non, normal. non. Non, 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 il faut tourner pour le bouger dans le vol. Bah, Donc, tu vois, regarde, si je passe ma souris dessus non, sans le non, faire mais exprès et que non, j'utilise la molette en même temps, je peux le bouger. non, Je trouve ça pense à bizarre. la réalité. Ouais, Pense à la réalité. Normalement, évidemment. Mais c'est un bouton oui, c'est un rotatoire. bouton qu'on Donc, tourne, gauche-droite. c'est une action volontaire du pilote. Si la manche, elle vient accrocher, et normalement, ce n'est pas possible parce Ouais. qu'ils ont des crafts et c'est attaché. Ouais. Mais on va dire qu'il va accrocher, il ne pourra pas tourner le bouton. Bref. Voilà, donc ça c'est fait. Donc ce que je peux faire maintenant éventuellement, c'est créer un bingo. Ici, le bingo, ça sert à quoi? C'est tout simplement pour alerter le pilote que on est à tant de consommation. Du réservoir et donc bah, qu'il est temps de retourner à la base. Donc là par exemple avec le rotateur, hop, enfin avec la molette, je peux descendre les chiffres ou les monter. Donc là par exemple, je décide que à 1500 ça sonnera en cabine pour m'indiquer qu'il est temps de revenir au bercail, que j'ai que voilà que j'ai encore assez de carburant pour revenir. Une chose que je ne fais pas, que je ne sais pas utiliser, c'est le détote quand je mets du carburant supplémentaire, ce que je n'ai pas fait là. Si, on va essayer de le faire d'ailleurs. Si je remets
Donc tu mets un bidon. Ouais, si je mets un bidon, hop, je demande à l'équipe au sol de me remettre un bidon. Donc toujours, alors là par défaut, voilà, j'ai de l'armement dans cette mission RR, que je peux peut-être d'ailleurs utiliser. Je sais pas s'il y a des cibles sur cette map, il faudra qu'on regarde. Donc là, c'est quoi? C'est du Non, ça l'a pas. 530D que je ne sais pas utiliser et le Matra Magic qui est très facile à faire, à utiliser. Bref, je mets ici en emport 5 un réservoir de carburant supplémentaire. Voilà. J'en profite pour refaire le plein parce que là, évidemment, je tourne depuis un moment au sol, donc on consomme du carburant même au sol. Hein. Donc je demande tout ça à l'équipe au sol. Voilà, on voit que la radio fonctionne. Demande réarmement, etc. et demande de carburant. Donc là, normalement, ici, les chiffres devraient monter. Les chiffres de la jauge. Voilà, on voit que ça monte. Là, je suis en ravitaillement. Et en plus, ça remplit le bidon. Enfin, quoique non, normalement, je l'ai mis plein. Mais bon, j'ai demandé à le mettre plein. Voilà, on se retrouve avec 3160 kg de carburant. Et là, comment est-ce que je peux faire? Je sais pas comment. Comment est-ce que tu peux m'expliquer ça, Goros? Comment on utilise le détote? Ça sert à quoi exactement? Le détote, ça te permet d'afficher correctement la quantité de pétrole que tu as au sein de ton avion. Donc là, avant d'aller plus loin, je voulais regarder un petit truc. On va attendre le fin de l'armement, Ouais. parce que le bidon est considéré aussi dans le Donc cycle ça devrait. avec l'armement. Voilà, là c'est bon. Armée complète. Donc là. Armée complète. Je reclique sur Affiche. charge parce que j'ai remis une charge supplémentaire, voilà. Ouais, affiche le keyboard pour voir s'ils Oui. mettent à jour le. Alors la petite planchette sur la cuisse, hop. Ouais. Oui, effectivement. En refuel, on voit que ça a été ajouté. J'ai plus 280 kilos. Et le TOT qui Bah. est maintenant à 4144, d'accord? Voilà. Donc le fait de remplir 3159, c'est ton plein interne. Ouais. Actuellement, tu as rajouté Ici. le bidon 985 Mmh. qui te fait un total de C'est 4144. ça. Donc, avec ton interrupteur détote, Ici. tu vas faire augmenter le chiffre qui est en Plus haut à moins. droite, qui est actuellement à 50. 2860. Ouais. Tu l'amènes à 4144. D'accord. Donc là, on va pousser. Hop. Donc je laisse enfoncer tout simplement. Hein. Et je le mets à 4144. Donc clic gauche, clic droit hein, pour monter et descendre. Hop. Voilà, je peux pas être aussi précis. Si, il fallait tout doucement par impulsion. Mais comment je fais pour le dernier chiffre? Non, le dernier Ouais. chiffre, tu peux pas. D'accord. Donc au moins 4140. Ouais. Ok. Donc là, on a la quantité réelle du carburant qu'on peut utiliser. En gros, c'est ce que ça veut dire. Ok, donc là, ça c'est fait. Bah écoutez, je suis prêt à décoller. On a bien vérifié que la charge, voilà, le bouton charge était baissé pour indiquer que, effectivement, l'appareil est bien chargé avec le bidon central en plus les deux systèmes RR. Et je vais regarder justement sur la map parce que je sais pas utiliser. Alors ça s'entend, je sais pas l'utiliser pour l'instant. Alors, Mais je sais au moins tu vois utiliser les le. Magic. Ouais. Tu vois, par rapport au bug, ça c'était le deuxième bug par rapport à la carte d'hier. Ouais. C'est que tu mettais le bidon sur le 2000, mais tu n'avais pas d'affichage sur le keyboard D'accord, ça ne marchait pas ça, d'accord. et qui ne faisait pas apparaître. Donc c'est un bug supplémentaire. Ouais. Donc on est d'accord, j'ai pas d'ennemis. Hein. Non, J'ai tu pas n'as pas. d'ennemis sur cette map, donc je pourrais pas vous montrer comment ça fonctionne. Non. Mais bon, on va quand même se faire un décollage-atterrissage et on verra une fois prochaine comment utiliser les Matra Magic et les 350. J'essaierai dans l'intervalle d'apprendre à l'utiliser et on verra ça ensemble. Ça pourrait être sympa. Là, ce que je vais, j'ai juste le temps, ouais, jusqu'à midi et demi pour le stream, juste le temps de faire un décollage, se balader un peu et faire un atterrissage. On va essayer de faire ça. Pour finir ce stream. Si tu veux, la mission que je t'ai faite créer hier et que tu as fait le stream tout à l'heure, Ouais. ben quand tu auras une dizaine de minutes, on rajoutera de l'ennemi On pourra rajouter RR. de l'ennemi, absolument. Mais on fera ça une prochaine fois, c'est sûr. Pas de C'est souci. sûr. Ouais, pas de Tu souci. me dis, c'est quand tu veux. D'accord.
On fera ça une prochaine fois et justement, ça sera l'occasion de vous montrer un petit peu en streaming comment on peut créer une map, enfin créer une mission. Ok, allez, on va faire un décollage. Donc là, normalement, je dois pouvoir communiquer avec l'ATC. Hein, on a fait tout ce qu'il fallait. Je suis sur Sukhumi Bashura, je sais même pas où je suis. Bah, attendez, où est-ce qu'on est? Batumi. Non. Non, c'est. Où est-ce que je suis? C'est ça, Babouchara. Sukhumi Babouchara, ok? Je regarde les caps. Ça existe 11. Zark, hein. Il y a des Et serveurs forcément. Vol Non, pas Libre. 11. C'est 12 et. Les deux amis 30. sont. Ils sont revenus de leur vol. Ouais, effectivement, on les voit sur la piste. On les voit sur la piste. Ok, donc on va communiquer avec la tour. ATC. Sukhumi Bashu. Babouchara, pardon. Demander la mise en route, mais bon. C'est déjà fait. Donc normalement. Voilà, il me donne des indications qui peuvent évidemment me servir. Je peux demander le roulage, puisqu'on est prêt à rouler. Un vent de 5 mètres en Ouais, direction 107. c'est ça. Il t'a donné quoi comme piste? Alors, il vient de me donner la piste 12, Cap 120. 120. Alors, maintenant que ça c'est fait, Oh bah on face, va. c'est juste à droite là. Ouais, c'est à droite. On va demander à l'équipe au sol de retirer les cales de roue parce que là, si je fais. Attendez, si je fais F2, voilà, vous voyez, il y a bien des cales de roue là sur les roues arrière du Mirage 2000 qui bloque en fait sa progression hein, sur la piste tout simplement. Il peut pas rouler avec ses cales Attends, donc il faut les retirer. regarde aussi si par hasard ils ont mis le frein de parking de l'avion, parce que tu n'en as pas parlé. Oui, j'en ai pas parlé, c'est vrai. Alors normalement, attendez que je regarde ça. Je sais même plus quelle touche c'est. Non, j'ai. Non, tu cliques. Ah, enfin, il faut tourner. Ouais, il y Un a un bouton bouton à qui tourner dans la s'affiche. cabine, mais je m'en sers pas. C'est Non, vrai que non, j'avais mis non, un. non. Non, c'est Attends. pas un bouton, c'est un poignet. C'est une barre comme dans une bagnole. Ouais, alors elle est où? À gauche, hein? À À droite? droite du siège, collé au siège à droite, D'accord. entre la banquette droite et le Bah oui, siège. elle est ici. Voilà, c'est ici. Je sais pas si vous la voyez bien. Voilà, hop. C'est cette poignée comme dans une voiture, effectivement. Donc là, le frein de parking est baissé. Mais je peux très bien le lever. Voilà. Donc on le baisse. C'est pour ça que les cales de roue sont importantes. Mais effectivement, j'en ai pas parlé. Ok, maintenant que ça c'est fait, donc on va demander à l'équipe au sol. Ah bah les rafales. Les rafales. Les Mirage 2000 repassent devant moi. On va demander à l'équipe au sol de d'enlever les cales de roue. Oui, Dark, il existe des serveurs vol Et voilà. libre. Ok, donc les cales de roue ont été retirées. Donc là, on peut y aller. Alors, chose que j'ai à vérifier, c'est le là. Si je utilise mon palier, on voit que la roue avant ne bouge pas. Donc, il faut que j'active mon nose steering. Et là, on voit que ça fonctionne. Voilà, donc je peux diriger l'appareil. Montre aussi dans le cockpit où ça se trouve. Et si tu le sais pas, je te Je ne le m'en dis. souviens plus du tout. Je l'ai vu au tout début, je m'en souviens plus. Alors, côté gauche, où tu vois les trois flèches vertes qui correspondent au train, Ah, ici. Oui, c'est vrai. tu as le petit truc bleu que tu vois apparaître. Ouais. Montre que la roulette de nez est enclenchée. Rappuie Voilà. sur ton bouton, ça va Dirigibilité, être hein, calme. normalement. Ouais. Et Oui, si je c'est ça. reclique dessus, ça s'enlève. Voilà, Tout effectivement. à fait. Ok, donc là, hop, c'est actif. On peut diriger l'appareil au sol. Ok. Allez, on y va tranquillement. On a l'autorisation en piste 12, hein, c'est ça. Donc c'est à droite. Donc allons-y, petit coup de gaz. Voilà. Et on va prendre le taxiway que l'on a droit devant nous. Je pense pas qu'il faille que j'aille de l'autre côté. Hein. Ah, quoique. Attendez. Je vois que l'autre Mirage 2000 se dirige là-bas. J'accède à la piste hein, par là, on est d'accord?
Ouais. C'est Bah, pas le parking, hein. Ah si, c'est le parking. Non, Oui, mais attends. il y a peut-être une Ah sortie au punaise, bout, je je sais sais pas. plus, je sais plus. Où C'est est-ce qu'on est là? FF10. Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Ouais, c'est ça. Ok, je vais partir dans cette direction. Piste 12, c'est ça. Donc je peux même aller tout au bout. Ok. Ouais, mais tu vas tout au bout, Ouais. tu Non, mais vires à je me gauche. demandais où il allait, mais il va bien dans la bonne direction. Bah, lui, il va se parquer sur le parking, Ouais. et toi, tu vas longer le parking. C'est ça. Alors évidemment, la configuration des pistes des aéroports sont différentes, hein, selon les aéroports. Hein. Donc il faut toujours penser à regarder un minimum où on est parqué et où est-ce qu'on va pour rejoindre la piste, où est-ce qu'il faut passer. Mais normalement, où tu as aussi la planchette de cuisse qui C'est te vrai. donne les informations pistes. Je sais plus Donc quelle page, mais ouais. tu fais dérouler jusqu'à la page de l'aéroport, et ainsi tu as toutes les informations qui apparaissent. C'est ça. Comme ça, on les a en permanence, c'est pas obligé de faire F10. Ah ben, du coup, il va décoller. Bah écoute, on dirait bien. Ouais. Je suis derrière lui en tout cas. Y a personne derrière toi? Je fais un petit coup de Parce que le frein. voir décoller tout seul, ça me paraît bizarre. Normalement, ils sont toujours à deux. Ouais, je sais pas, je vais regarder. Lui rentre pas dans le cul, ça Non, serait non, je fais dommage. gaffe. Non, je suis tout seul. Ouais, c'est Non, je bizarre, suis tout tu seul. rentres seul. Ouais. Ah non, je vois. C'est ton ailier. Ah, d'accord. Ok, oui, c'est vrai que dans cette mission prédéfinie, c'est. Oui, effectivement, c'est l'allié. Bon, ce qui est dommage, c'est que DCS n'accepte toujours pas le décollage simultané de deux avions. Ouais, c'est un par un. À la queue leu-leu. Et voilà, on arrive sur la piste. Bah, le 2 arrive. Voilà, on voit le premier qui décolle. Et le 2 a annoncé le roulage. Ah, donc Ouais, donc il va être derrière moi incessamment sous peu. Ok. mais il viendra pas, normalement il viendra pas t'emmerder tant que t'auras pas décollé, donc Ouais, tout à fait. Voilà, on voit. La piste est libre. Je demande quand même. Hein. Deux trains rentrés, ok. Je non, demande quand même à la normalement tour si je peux normalement décoller. la procédure de décollage, c'est les pieds sur les freins, tu pousses à 80. Ouais. Une fois que tu as 80 RPM, Si. ben, tu lâches les freins et tu passes à la pose combustion. Ouais. Alors c'est parti, décollage. Hop. Je lâche. Bon, je mets pas la PC parce qu'on est léger, hein. Ben si, la Ouais, bon, PC je te la mets au permettra fond. d'avoir une vitesse plus rapide. Hop, voilà, 130. Je commence à tirer sur le manche. Décollage. Je peux rentrer le train. Alors normalement, Train rentré. dans la phase de décollage, pour le demi, tu mets 2 degrés de cabré, Ouais, j'en mets un peu et ce plus qui là. fait... Non, avec le trim, pas avec le manche, avec le Ouais. trim, tu augmentes un petit peu, D'accord. ce qui fait que tu n'as même pas besoin de toucher au manche pour décoller. D'accord. Ok. Surtout dans la configuration que tu es, qui est une Ouais. configuration très légère, à part le bidon. Ok. Allez, on va s'éloigner un peu et puis on va refaire un atterrissage parce que malheureusement, il va falloir que j'arrête. Donc là, c'est vraiment décollage et atterrissage. Je peux juste montrer éventuellement, voilà, si je sélectionne. Les missiles Magic, donc ceux qui sont, hop, vous voyez, au bout des ailes, vraiment aux extrémités, les deux extrémités. Ceux-là sont vraiment très faciles à utiliser en mode RR.
Voilà. Donc, c'est simple. On clique sur Magic. Voilà, on voit le S. On active le Master Arm. Et là, normalement, pareil. Même topo que pour les bombes. Alors, normalement, il faut que j'active les missiles Magic. Voilà, j'ai la touche d'activation. Voilà, on a le TH qui est programmé normalement. Donc si jamais il y a un appareil ennemi devant nous, eh bien on peut le cibler de cette manière. La petite croix là, hop, va se transformer en carré quand ce sera détecté, évidemment. Alors là pour l'instant je ne maîtrise pas du tout, hein. Je ne sais pas encore comment faire, mais on peut repérer les cibles sur le radar, affiner l'affichage des cibles ici avec les boutons là, mais pour l'instant je n'ai pas encore appris à l'utiliser. Oui, ça viendra. Ouais, on essaiera de faire ça la prochaine fois. Bref, étape par étape. Mais voilà, normalement c'est comme ça qu'il faut procéder. Bref, donc là, pour l'occurrence, je veux pas de ça. Donc, je recoupe le Master Arm, voilà. On va reprendre un cap vers la piste et on va se poser tout simplement. J'utilise pas la navigation encore pour l'instant. Donc là, si je veux revenir en arrière sur mon chemin, il faut un cap 295 à peu près. Là, t'as ton copain sur ton aile droite. Et je le vois effectivement sur la droite. Voilà, on le voit là-bas. Donc ça m'inquiète un peu, ce qu'il faudrait que je vire sur la droite. On va faire un virage à gauche plutôt. Non, c'est un virage à gauche, pas à droite. Pourquoi tu veux partir pour prendre un cap 295. Ben oui, mais c'est un axe terre-mer. Pourquoi veux-tu virer sur la mer? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Salut de Dadou. Salut. Mais bon, tu peux causer à la tour pour demander l'autorisation d'atterrir et il te donnera l'axe de piste. C'est vrai. Logiquement, il va me redonner l'autre, mais bon. Celui pour le décollage. C'est 120. Voilà. Si je lui cause, elle me dit quoi exactement? La destination des installations. C'est ce que je lui dis, mais elle va pas me répondre. Si. Cap 287. Piste 12. Ok, voilà. Donc effectivement, il faut que je reprenne la piste, donc c'est dans l'autre sens en fait. 287, c'est le cap que tu dois reprendre. Voilà, on va arriver en vrac. Il faudra s'aligner. Distance, c'est toi à t'aligner pour avoir le cap 120 et être. Le cap 120, absolument. Salut Rod. Ouais, triste nouvelle pour les consoles sur Elite. Ouais, j'en ai parlé sur mon Twitter. Effectivement, c'est vraiment triste que le développement s'arrête pour les joueurs consoles. Donc il n'y aura jamais d'Odyssée sur les consoles pour Elite Dangerous, c'est un peu dommage. Ils ont donné la raison. Non. Ils n'ont pas donné la raison. Simplement dit qu'ils arrêtaient le développement. Enfin, c'est Braben qui a dit ça et pas plus de précision entre guillemets. Si ce n'est que voilà, ils veulent se concentrer sur le développement PC. Alors c'est une bonne nouvelle pour les PCistes, hein, mais bon, c'est un peu dommage pour les. Pour les consoles quoi. Surtout qu'il avait annoncé. Ouais, surtout qu'il avait annoncé et c'était repoussé et donc là, je suppose que c'est trop compliqué donc à mettre en place donc il lâche l'affaire quoi. Alors il continue de faire des mises à jour hein, pour les consoles, mais sous Horizon. Donc c'est l'ancien DLC. Alors on voit la piste à gauche. Ramé, donc, même avec la PS5, je sais pas. Ouais, je sais pas. Ils auraient sans doute pas pu afficher ce qu'ils voulaient afficher. Donc on n'est pas du tout au niveau du bon cap, donc il faut repasser par l'océan. Donc je m'aligne par rapport. Voilà, je me mets en parallèle de la piste que l'on voit à gauche là-bas. On va garder ce cap. Non, mais de toute façon, là je vais faire un demi-tour. Je suis pas dans le bon sens. Il faut que je sois en cap 120, c'est derrière moi. Donc, il faut que je fasse un demi-tour. Il faut déjà que je m'éloigne pour pouvoir faire mon demi-tour.
Oui, c'est bien ça que tu vas longer la piste et faire un virage pour te poser. Absolument. C'est pour ça que je m'éloigne. Donc, déjà dans cette position, il faut penser à gérer ta vitesse et ton altitude. Oui. Donc, 250 pieds, 250 nœuds, 1500 pieds. Avec le Mirage 2000, ça me fait peur, oui. Hein. T'es sûr? Non, non. 250, ça fait vraiment peur. Je vais décrocher en tournant. Non, mais en tournant, tu vas maintenir cette vitesse. Ouais, j'y arrive pas encore pour l'instant. Ah, ben oui, mais je vais réduire la vitesse, mais. C'est pour ça que tu arrives trop vite sur les axes de piste proposés. Ouais. Parce que tu faut être dans les conditions et ensuite maintenir ces conditions de. Mmh. C'est ça qui est pas évident. De ok. En plus sur le 2000 c'est simple, avec les chevrons tu sais comment faire Mumuse, donc ouais. T'as tout est donné sur le. C'est vrai, c'est vrai. Donc d'ailleurs on va se mettre en mode approche. Donc on. Je n'ai pas le mode approche, comment ça se fait? T'es toujours en armement. Bah non. Ah oui, non, radar au sol, tout est désactivé. Fais dépresse. Control switch. Ouais, c'est ce que je fais, mais il se passe rien. Bizarre. Je peux pas. Le mode approche ne marche pas. Normalement, il doit être affiché ici, là. Master arm est on et off, pardon. C'est pas logique. Bah si, c'est logique parce que normalement dans la configuration où tu es, tu peux pas te poser, là l'avion est trop lourd. Et attention, tu descends. Mais je descends. Allez, je fais mon break. Enfin mon break. Je me mets en cap 120. Et on va essayer de s'aligner. Ouais, c'est bizarre, Rod, que t'aies des problèmes avec une 2080, parce que moi j'ai une 1660, pardon, et j'arrive à avoir 60 FPS. Hein. 120, non. L'axe de piste c'est 120. Ok, bizarre. Je suis pas du tout aligné. Elle est où la piste? Tu l'as peut-être dépassé ou ouais. T'es parti trop à droite. Ouais, je la vois pas en fait du tout. Ouais, t'es parti trop à droite. Donc, faut que je reprenne un cap. Ouais, ok, je vois. Effectivement. Bah non, cap 106. Oui, mais là tu vas arriver en vrac sur la piste. Tu vas arriver en diagonale. Attends, c'est que je la vois même pas. En visuel, je la vois même pas. C'est là qu'il faudrait que j'apprenne à utiliser le tacan parce que. Ah non, oui, d'accord, elle est là. Déjà, ok, je la vois. Tu ok. Des repères géographiques. Ouais, déjà. C'est sûr. Ok, c'est bon, je la vois. Voilà, donc normalement, là, si tu veux revenir, il faut aller un petit peu sur la gauche. Ouais. Légèrement dépasser la piste et revenir sur la droite pour aligner avant un cap 120. Parce que si tu restes comme ça, tu vas arriver au cap 120 mais tu seras trop proche de la piste pour pouvoir te poser dans les bonnes conditions. On est d'accord. Coup d'ailleurs au frein. J'essaie de mettre la maquette d'avion sur le bout de la piste. Regarde, et ton APP là, ton approche n'est pas... Non, non, il y a un problème. Non mais regarde là, t'as regardé là. Mais je viens de regarder à l'instant. J'ai jeté un coup d'œil, ouais, on est d'accord. Te l'affiche pas parce que t'es trop lourd. Je sais pas. Je sors les trains. Là, j'ai plus assez de vitesse. Ok. Je stabilise. T'as une panne d'affiché. Ouais, j'ai une panne d'affiché, on est d'accord. Ok, posé.
Je déploie le parachute. C'est bon, j'ai réussi à me poser sans encombre. C'était pas un bel atterrissage, ça? Bizarre, c'est... Mais j'ai une panne, je sais pas d'où ça sort. On va vérifier. Regarde le tableau de panne, qu'est-ce qui est marqué? Ouais. J'ai conf. Conf qui apparaît, donc je sais pas, un problème de trim. Conf, non, c'est que t'aurais dû passer en charge normale. Bah, non, justement. Ah, si, ça le fait plus. T'as raison, ça devait être peut-être à cause du carburant, tout simplement. Parce que j'ai dû vider suffisamment le réservoir supplémentaire. Ouais. Bah, ouais, c'était ça, ok. Donc, c'est peut-être. Mais c'est pas ça qui m'empêchait d'avoir l'approche. Bizarre. Bah, peut-être que l'avion était trop lourd pour te proposer le. Ouais, étrange. Étrange. Ou bref. Tu avais l'armement sectionné. Ouais. Bon, j'ai mes alliés et ça fuit où ils habitent. Ils sont perdus. Ok. Bon, bah parfait, on va pouvoir s'arrêter là. Bah, il est midi et demi, impeccable. J'espère que ce petit stream sur l'apprentissage du Mirage 2000 vous a plu. En tout cas, moi je me régale vraiment à piloter cet appareil. On a réussi à faire un atterrissage propre, c'est cool. Rappuie sur P pour larguer. Ouais. Hop. Voilà. On largue le parachute. Et là, si je vais faire les choses proprement, faut que je rejoigne un taxiway pour le parking. Oui, parce que ton ailier pourra pas. C'est ça, il pourra pas atterrir. Sur la piste. Voilà. On va essayer de faire ça. Si tu veux plus rapide, c'était de faire demi-tour. T'as la sortie plus rapide. Ouais, ouais, c'est pas grave. Donc j'espère que bah, vendredi prochain je pourrai streamer à 21h comme d'habitude sur DCS. Là hier soir c'était vraiment pas possible. Mais si vraiment c'est pas possible, j'essaierai de reprendre cet horaire là du samedi matin pour vous quand même vous faire un petit stream de la suite de cet apprentissage sur Mirage 2000. Et on fera du RR cette fois. On essaiera de positionner les ennemis sur l'éditeur de mission. Et on essaiera de faire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Link? Du RR, je vais voir ça. Bah ouais, hier j'ai bien réussi à descendre deux appareils. Donc avec les Magic, ça va vite. Hein. Ils étaient sur un axe de retour. Donc c'est ça, c'est ça. C'était facile. Tu allais venir avec moi quand j'ai essayé de les intercepter. Oh punaise, oui, c'est sûr. C'est sûr. Voilà, je quitte la piste. On va se garer proprement. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc normalement, moi je suis censé vous retrouver demain soir à 21h sur EVE Online. J'espère que je pourrai. C'est un peu compliqué pour moi là de streamer le soir. J'espère que je pourrai demain soir. Ok. Allez, je vais me garer là. Hein? Les idées d'Arc. Oh oui, oui. Je sais pas si j'arriverai à faire plus facilement du refueling. On peut pas en faire sur le Mirage 2000. Si. Si. Ouais. Donc est-ce que j'y arriverai plus que sur le F-18? Parce que le F-18 j'ai jamais réussi. Hein. t'as déjà la perche qui est sortie. Oui, c'est vrai. Hop, je mets le frein à main. Le problème, enfin, il faut que tu saches qu'il y a un petit interrupteur à activer sur banquette gauche, mais partie haute contre la cellule pour autoriser la rentrée de pétrole dans l'avion. D'accord. Ouais, c'est un bouton ici. C'est un interrupteur. Un interrupteur? Ouais, il faudra que je cherche. Ouais. Ok. Mais c'est difficile. Il se trouve juste en dessous de la poignée blanche. La poignée blanche. Là, à côté de ton marquage de la position des commandes. Pour la sortie du parachute, la poignée blanche. À gauche. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Voilà. Et descend en dessous légèrement.
Ouais. Il faut que tu zoomes, parce que du noir sur noir. Voilà, zoom dessus. Sur la poignée blanche. Vas-y, zoom. Je la vois pas, attends. Où est-ce que tu... Non, au-dessus, la poignée blanche. Où il y a oui, marqué, ici, sortie, parachute, oui, d'accord. J'ai un retard du stream, donc je... voilà, là. Moi, c'est bon, tu zoomes dessus. Et tu vois, descends ton curseur. T'as un petit truc en dessous noir où il y a marqué RVT. RVT. Je le vois. Et c'est celui-là. Ah, d'accord. Ah, oui, effectivement. Il ouais, faut vraiment passer la souris dessus pour le voir. Quoi. Oui, bah, si tu sais pas sa position, ouais. Tu peux. Ok, c'est ici. D'accord, effectivement. Effectivement. Ok. Ou alors, il faut baisser le siège pour bien voir. Quoi. Ouais. Ouais. Mmh. Il faut baisser, ouais. Ouais. Ok, bon, bah, c'est parfait. Je suis obligé de vous laisser là, malheureusement. Pas de soucis. Hop. Merci encore à tous d'avoir regardé ce streaming. Merci Goros de m'avoir assisté. Et puis, ouais. Et puis, bah écoutez, on se fera. La prochaine fois, on essaiera de faire du RR pour faire rigoler Link. donc, je ne sais pas si ce sera vendredi prochain ou samedi matin, on verra. Allez, sur ce, passez un bon week-end. J'espère qu'on va pouvoir se revoir demain soir sur Eve Online. En attendant, faites attention à vous. Ciao tout le monde.